un peu d'huile d'olive. Et cette raie là, je vais la cuire au beurre comme je vous avais dit. Et je vais l'accompagner avec de la pomme de terre. On va voir ça après. Ce que je vais faire tout d'abord, je vais couper les ailes en deux. Sinon, vous pouvez les laisser comme ça. Hein. Moi, je préfère de les couper en deux. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà. Là, on va passer à la cuisson de notre... Alors, dans la poêle, je vais mettre un peu de l'huile d'olive et un peu de beurre. Hop. Et un peu de beurre. Ce que je vais faire, je fais revenir d'abord le petit oignon. Après, je vais rajouter la raie. Je vais laisser revenir. Après, je vais rajouter la raie. Je vais faire revenir mon oignon qui est coupé très très fin. Vous pouvez la remplacer avec une petite échalote. Donc sur un feu moyen pour que mes oignons et le beurre ne crament pas, ne brûlent pas. Et ce que je vais faire aussi, je vais rajouter des petits morceaux de citron confit. Vous pouvez le remplacer par le jus de citron si vous en avez. Là, j'ai pas le jus de citron. D'habitude, je le mets aussi. Mais là, je vais mettre que les petits cubes de citron confit. Donc, je ne vais pas mettre trop de sel parce que voilà, le citron il est bien salé. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter la raie. Donc mes morceaux de raie, je vais les rajouter de cette façon. Hop. Et celui-là aussi, je le rajoute. Et celui-là. Je vais la laisser cuire de ce côté, et après je vais la tourner de l'autre. Alors, dans la poêle, une autre poêle, je vais mettre un peu d'huile d'olive et juste 2 cubes de beurre. Ce que je vais faire, je vais rajouter les pommes de terre que je vous avais dit. Je vais accompagner. J'ai coupé les pommes de terre, je les ai coupées en petits morceaux et je vais la sauter ici avec un peu de sel et un peu de poivre. Comme ça, ça va être comme un accompagnement à mon poisson. Voilà. Mes pommes de terre, bien sûr, je les ai cuites dans l'eau avec du sel et j'ai mis une feuille de laurier avec. Voilà. Je ne les ai pas trop cuits, je les ai laissés un peu croquants. Comme ça. Voilà. Je vais laisser revenir de ce côté-là, après je vais les retourner. Après, on revient pour mettre le reste. Voilà, je vais la tourner de l'autre côté. Hop. Comme vous savez, ce poisson, il se cuit vite fait. Hop, hop, hop. Voilà. C'est un poisson que je fais aussi en salade. Il est vraiment très bon. Les enfants, ils aiment bien ça. Et même nous, les grands, hein. Et là, voilà, j'ai mis les petits pommes de terre. Aussi, je vais saler, je vais poivrer. Et après, je vais servir avec mon poisson. Un petit peu. Et un petit peu de poivre. Je rajoute aussi un petit peu de sel, juste un petit peu. Et un peu de poivre. Et je vais rajouter un petit peu de piment fort et les tapes. Juste une petite pincée de piment fort. Hop, ça passe très très bien. Et un petit capre.
Et là, ce que je vais faire pour finir, je vais rajouter un petit peu de persil ou bien de coriandre fraîche. Voilà. Je vais laisser à couvert 2 secondes. 5 minutes. Et je vais servir. Donc voilà les amis. Mes ailes de raies, elles sont bien cuites. C'est ce que je veux. Là, je vais servir. Et même les petits pommes de terre aussi, c'est cuit. Allez, on va passer à servir notre plat. Donc voilà les amis, je vais servir la raie. Hop. Voilà. Hop. Je vais prendre un petit peu de thon, un petit peu de capre, un petit peu d'oignon. Voilà. C'est vraiment très appétissant. Vous allez bien aimer. Et là, je vais mettre des pommes de terre. Voilà les amis. C'est la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt avec une nouvelle recette. Merci, au revoir.